On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On l'a bien vu et bien connu à l'époque de La Voix, à l'hiver 2014, La Voix 2. Depuis ce temps-là, il s'est passé une foule de choses dans sa vie. Et elle vient tout juste de sortir un premier single qui s'intitule « Quand tu danses ». On reçoit pour toute l'émission complète Valérie Dorr. Vous savez qu'au fil des ans, au fil même, on pourrait dire, des 15 dernières années, plusieurs de nos concitoyens, concitoyennes de Saint-Jean-sur-Richelieu ont participé, que ce soit à Star Academy ou encore à La Voix ces dernières années. C'est toujours intéressant de voir et de suivre leur cheminement, cheminement professionnel, cheminement artistique, évidemment. Et c'est le cas de Valérie Dorr qui sort son premier single. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci de me recevoir. C'est toujours apprécié. Bien, c'est toujours plaisant de pouvoir faire le suivi parce que, bon, ces émissions-là, que ce soit Star Academy ou La Voix, on met au monde des dizaines et des dizaines et des dizaines d'artistes un peu partout au Québec. Ouais. On les voit à la télé avec des millions et des millions de téléspectateurs pendant des semaines et des semaines. Et puis là, après ça, c'est la vraie vie qui recommence. Et pour l'artiste en soi, c'est un autre monde. Je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu. L'expérience n'est quand même pas si loin que ça. On parle bon, de la deuxième édition de La Voix. Ouais. C'était à l'hiver 2014, mm-hmm. donc ça fait 3 ans de cela. Ouais. On a eu, comme on dit dans le métier, il y a eu un pic. Ouais. Tu t'es rendu quand même assez loin dans le concours. Mm-hmm. Et après ça, tu as dû surfer pendant quelques semaines et quelques mois sur ceci. Mais là, après, il se passe quoi? Après, il se passe toute une période de remise en question. C'est ça qui se passe. En fait, moi, je trouve que j'étais quand même un des candidats vraiment privilégiés là, de La Voix. Tout de suite après, j'ai quand même eu la chance de travailler avec Grégory Charles sur Le Choc Génération. Ensuite, oui. Stéphane Rousseau à Sur Invitation seulement. Donc, moi, ça a été quand même une transition qui s'est faite assez tranquillement. Mais c'est que j'ai tellement travaillé que j'ai dû arrêter parce que je me suis étourdie. J'ai appris entre j'ai appris entre 60 et 100 chansons par semaine. Je dormais 3 heures par nuit. J'avais les cordes vocales complètement finies et enflées. Donc, à un moment donné, mon corps il a dit « Hey, c'était bien le fun tout ça, là, mais là, faut qu'on arrête parce qu'on va lâcher. » Donc, ça a duré combien de temps, cette période-là? Ça a duré un bon 3 mois là, où est-ce que je travaillais énormément. Puis en plus, je faisais la campagne pour le casino. Je faisais des shows partout à travers le Québec. Donc, tu sais, vraiment, là, j'avais pas de repos, là. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui, avec le recul, d'en avoir trop pris ou si tu t'es dit à ce moment-là, c'est la meilleure décision, il faut que je prenne tout ce qui passe en ce moment? Oui, je pense que c'était la bonne décision à l'époque et c'était aussi une bonne façon d'apprendre que la prochaine fois, il ne faut pas trop en prendre en même temps. Mais à ce moment-là, c'était trop des belles opportunités pour que je les refuse. Ouais. Puis ça m'a tellement donné la chance de rencontrer... J'ai rencontré tellement d'artistes du milieu québécois, tu sais, et puis vraiment de travailler aux côtés de Grégory Charles, j'ai tellement appris et c'est ce que j'ai compris, en fait. J'ai compris que toute ma vie, un peu par défaut, j'ai chanté toute ma vie. Je suis très reconnaissante de ma carrière de chanteuse. J'ai eu même la chance, après La Voix, de chanter pour Céline Dion, de la rencontrer. Donc, vraiment, c'était une superbe expérience, mais suite à ça, j'ai dû me poser des questions et vraiment me repositionner. Valérie, pourquoi tu chantes? Est-ce que tu aimes encore ça? Et là, vraiment, a suivi une espèce de période où est-ce que je me suis mis à explorer. J'ai arrêté de chanter. Je suis allée à l'École nationale de l'humour. J'ai pris des cours d'écriture humoristique, oui. Et tout de suite, à ma sortie de l'école, bien évidemment, moi, je suis avec Faneuf, qui est la boîte de Louis-José Houde et Patrick Groulx. Et tout de suite, on dirait que le mot s'est un peu passé. Je suis allée faire 2 fois 30 minutes au Comédia à Québec, qui est quand même un très grand festival. J'ai fait quelques fois les planches du bordel, qui est le Comedy Club de, justement, Louis-José Houde, François Bellefeuille et compagnie. Et j'ai joué dans plusieurs soirées. Et puis ensuite, j'ai même passé des auditions pour être dans CODEF. C'est une émission qui est à VRAC TV avec un public cible de jeunes adolescentes. Donc, tu n'es pas nécessairement un public cible. Non, mais... ça va. Mais ça pourrait peut-être te plaire. Et donc, eux, ils ont vu mon tape d'audition, puis ils ont adoré. Et puis là, bien, j'ai commencé à me faire engager plutôt comme humoriste que comme chanteuse. Et à force de faire ça aussi, j'ai même écrit des pilotes d'émissions que j'ai tournés pour le plaisir avec mes amis, qui ont été déposés dans des boîtes, qui ont été acceptés. Donc, t'as arrêté de chanter, mais t'as pas arrêté de travailler pour autant. C'est-à-dire exactement. Que t'es demeuré super active parce que là, si t'es allé à l'école de l'humour, puis évidemment, les autres contrats que t'as nommés il y a quelques instants, donc t'es resté quand même active, mais
mais pas en chanson. Oui, c'est ça. J'avais besoin de prendre ce recul-là par rapport à la chanson parce que ça fait quand même depuis que j'ai 17 ans que je ne fais que ça, que je fais que chanter. Et là, vraiment, c'est que on dirait que j'étais tellement collée dessus. Ouais, pas de recul. Que c'est ça, que je ne voyais plus vraiment pourquoi je continuais à faire ça finalement. Et le fait de faire autre chose, ça m'a donné comme une autre vision finalement de ma passion qui était la musique. Mais il y avait aussi, comme tu le dis, bon, tu chantais depuis l'âge de 17 ans, mais Valérie Dore avait une vie avant la voix. Oui, exactement. Et la Valérie Dore d'après la voix, elle est où la différence? Est-ce que tu te la poses cette question-là, de dire, tu sais, Valérie Dore de 17 à, je sais pas moi, de 17 à 30 ans, c'était ça. Puis là, d'aujourd'hui et maintenant, c'est quoi la différence? C'est une immense différence parce que quand on est jeune, on court après un rêve. On se dit, il faut qu'on réussisse, mais on ne se demande jamais réussir quoi. On fait juste accepter un peu n'importe quoi. On dit oui, puis on se dit, à un moment donné, ça va m'amener là où je dois aller. Puis finalement, bien, une fois que je suis arrivée à la voix, je veux pas, moi, de faire de la télévision, c'était un rêve pour moi. Et là, je faisais ce rêve-là, mais ça ne me comblait pas. Et là, vraiment, ça m'a frappé fort parce que toute ma vie, c'est ce que je voulais. Et finalement, je le faisais, mais je me rendais compte que ça ne me rendait pas heureuse. Et là, c'est là que je me suis posé les questions. Qu'est-ce qui te rendait heureuse vraiment de chanter? Et là, c'est suite à ça, en faisant d'autres choses, que j'ai réalisé que la Valérie d'aujourd'hui, elle veut chanter, mais elle veut chanter des choses qui ont une réelle signification pour elle. Elle n'a plus envie d'être choriste et de chanter un peu n'importe quoi pour n'importe qui. Elle a envie de se réaliser, puis elle comprend aussi c'est quoi le message qu'elle porte. C'est rare que je parle à la troisième personne comme ça, mais, mais c'est vraiment ce que je pense. Mais au final, est-ce que c'est l'ultime plaisir d'être sur scène? Que ce soit de chanter ou de faire de l'humour, est-ce que pour toi, dans le fond, le plaisir que tu éprouves, c'est d'être sur scène devant le public? C'est sûr que une des choses que j'adore de ce métier-là, c'est le contact avec le public. Mais ce que je préfère encore plus, c'est de partager quelque chose de vrai avec le public. C'est pour ça que le fait d'être choriste puis de chanter un peu n'importe quoi, ça ne me comblait plus parce que j'avais plus l'impression d'être en harmonie. Je pense que chaque artiste porte un message et a une raison d'être et a quelque chose un peu comme à dénoncer et à partager. Et ce lien-là, justement, quand les gens se reconnaissent là-dedans, je pense que c'est là vraiment qu'il y a un contact réel avec les autres et qu'il y a vraiment comme une raison d'être. Je dénigre pas les artistes qui font vraiment seulement que du divertissement, mais moi, c'est ce que j'ai découvert. J'ai découvert que j'étais pas uniquement une artiste de divertissement, que j'avais envie de dire des choses. Puis même les humoristes ont souvent un message, mais ils passent des blagues à travers ça pour que ça passe mieux. Ouais. Ou même, non, mais quand on regarde même, prenons l'exemple de Marc Dupré, qui avait une carrière en imitation dans le domaine de l'humour, qui lui sert fort bien probablement dans ses spectacles, où à travers quelques chansons, il va nous faire aussi quelques imitations. Donc, c'est jamais bien loin. Donc, dans ton cas, toi, tu peux très bien, on peut très bien aller te voir pour un spectacle de musique, de chansons. Oui, exactement. Mais probablement que tes quelques années d'expérience en humour vont être aussi drôlement pratiques. Ben oui. Puis c'est ça, je pense que c'est ça, ce qui est, c'est pas le fait d'être sur scène, c'est vraiment le fait d'échanger avec le public. Moi, les plus beaux moments que j'ai vécu en musique, c'est vraiment quand des gens sont venus me voir pour me dire que le fait que j'ai chanté cette chanson-là avec des émotions que j'avais réellement, ça leur a permis, eux, de se libérer. Et ça a été... Vraiment, c'est les plus beaux compliments que j'ai eus dans ma vie. Ou même, à un moment donné, j'ai fait une entrevue aussi par rapport à mon passé. J'étais anorexique, boulimique et tout ça. Et il y a tellement de jeunes qui m'ont écrit suite à ça pour me dire que ça les avait aidés, justement, à aller chercher de l'aide. Donc, c'est toutes ces choses-là, finalement, qui donnent un peu une raison d'être à ce que je fais. Tu m'ouvres une porte parce que je voulais t'en parler, mais je vais t'en parler tout de suite. Moi, je suis un spectateur de l'émission Banc public à Télé-Québec qui est animée par la comédienne Guylaine Tremblay. Oui. Ma conjointe et moi, on s'est mis à regarder ça, trouvait ça intéressant. Puis là, pouf, une journée, c'est toi l'invité. Là, je fais comme, pourquoi qu'elle est là, tu sais. Et là, j'entends ton histoire, l'adolescence, des épisodes d'automutilation et tout ça. Là, je fais comme, moi, je ne savais pas ça du tout. Personne moi, c'était la Valérie Dore que j'avais vue à la voix, qui a un superbe talent, etc., etc. Et là, tu nous racontes ça. Bon, puis en plus, il y a des références locales parce que, bon, tu étais une étudiante à la polyvalente à Armaresco et tout ça, donc les gens te connaissent ici. Premièrement, explique-nous, comment tu t'es ramassée sur le banc public de Guylaine Tremblay? En fait, c'est parce que j'avais été en direct de l'univers avec France Beaudoin et c'était une conversation de loge. Et on en a parlé
parlé, puis on discutait de toutes sortes de choses. Il y avait Nadja aussi qui était avec nous, puis qui partageait aussi certains événements troublants de son enfance, si je peux dire. Et France Beaudoin, ça l'avait marqué la façon que je parlais de ça de façon positive et que j'avais réussi à surmonter ça. Et comme c'est un des mandats de son émission... Parce que France est la productrice de l'émission Banc public. Exactement. Et donc, elle m'a demandé d'y aller. Et au départ, c'était tellement quelque chose de personnel que je ne voulais pas vraiment y aller. Et puis, après mûre réflexion, je me suis dit, bien, pourquoi pas, en fait? Si ça peut aider justement des jeunes à s'en sortir, bien, je pense que je pourrais comme prendre le courage d'aller partager cette histoire-là avec sincérité. Puis, justement, le résultat a été plus espérer, puisqu'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui m'ont écrit par la suite et même des parents qui sont venus me voir aussi en spectacle pour en parler avec moi, pour aller chercher de l'aide. Donc, je pense que l'artiste, il y a eu une époque où c'était ça, en tout cas, où est-ce que les artistes vraiment avaient ce désir-là d'apporter quelque chose à la société ou pour les gens autour d'eux. Ouais. Maintenant, on est un peu peut-être dans un air où c'est un peu plus du divertissement sans profondeur. Mais tu y as réfléchi combien de temps avant d'accepter? Quand même une bonne semaine là, à vraiment y penser puis à me dire, est-ce que je suis vraiment prête à aller, aller là? Et puis, finalement, je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai faites parce que je me suis libérée de ça, puis ça m'a donné justement cette... C'est un peu mon autre question. Est-ce que même aller jusqu'à 5 secondes de l'enregistrement, est-ce que tu avais encore un doute? Tu sais, quand on est assis, puis là, on sait que le tournage va commencer, est-ce que... J'en ai pleuré, là. J'en ai pleuré. C'était une phase vraiment difficile de ma vie. Puis surtout, ça a été difficile parce que j'étais dans la solitude. Et c'est ça vraiment qui a été l'élément déclencheur qui m'a donné le courage d'aller en parler. Parce qu'à cet âge-là, si j'avais vu quelqu'un que j'aime en parler à la télévision, probablement que je serais allée chercher de l'aide beaucoup plus rapidement. OK. Donc, je pense qu'on a une tendance, qu'on a de la difficulté, des problèmes à avoir honte de ça et à ne pas vouloir admettre nos faiblesses. Mais au contraire, d'admettre nos faiblesses, d'en parler, ça nous aide à les surmonter et... Dans notre vulnérabilité, il y a une force immense qu'on doit aller chercher. Et une fois le tournage terminé, est-ce que tu as senti un poids se libérer, une délivrance? Parce que, bon, c'était quelque chose de très personnel. Mm-hmm. Probablement, peu de personnes étaient au courant dans ton entourage. Mm-hmm. Là, de le livrer devant télé, tout ça, est-ce que tu as senti une forme de libération? Oui, et surtout ce droit-là d'être vrai, d'être moi-même, d'être authentique. Et c'est ce qui a un peu guidé même l'espèce de période de cheminement où je me suis retirée de la musique pour explorer autre chose, pour essayer autre chose. Parce que c'est ça, des fois, on dirait qu'on veut plaire à tout le monde. Fait que finalement, on se perd un peu dans ça. Mais tu t'en es sorti comment, dans le fond? Parce que, bon, c'était une adolescence pas facile. Mm-hmm. Est-ce que visiblement, c'est la musique, la chanson qui t'a un peu... Oui, ça a été un bon exutoire, c'est sûr. La musique, la chanson, ça a été vraiment un bon exutoire. Mais je dirais que c'est plus... du travail plus personnel qui m'a aidée. C'est sûr que j'ai consulté différents psychologues, mais aussi juste de croire en autre chose. Tu sais, je veux dire, nous, les jeunes filles, on a tellement de pression sur nous par rapport à l'apparence et de comprendre qu'à un certain moment, la vie n'en tient pas qu'à ça, qu'on n'est pas seulement là pour être belle. Tu sais, on est là aussi pour être des filles, je veux dire, la fille de quelqu'un, une sœur, une meilleure amie. Tu sais, on est là pour... Il y a tellement de choses qu'on peut accomplir qui n'en tient pas qu'à notre apparence. Donc, aussi, de se sortir de cette espèce de système-là où est-ce que l'accent est uniquement sur ça et d'essayer de se réaliser en tant que personne. Tu sais, on n'est pas seulement notre apparence. On a aussi des pensées, on a des idées, on a des rêves, on a des choses qu'on peut... changer, je veux dire, il y a tellement à faire au-delà de ça. Donc, juste de se sortir aussi de cette pensée-là, ça fait un bien immense. Et ça remet beaucoup de choses en perspective. Et aujourd'hui, tu es heureuse de la Valérie d'or que tu es devenue? Oui, je suis très heureuse de la Valérie d'or que je suis devenue. Même si en ce moment, par exemple, je suis plus tranquille parce que je compose, bien, ça me fait du bien. Je me sens complète. Je réalise que je n'ai pas nécessairement besoin d'être sur une scène ou d'être devant les projecteurs pour être heureuse. Il y a tout un bonheur intérieur qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus important à cultiver, finalement.
Il y avait une manchette parce que justement, quand je faisais ma recherche cet après-midi, évidemment, on va sur Google, on met Valérie Dor, on fait Actualité, ça nous donne un peu les dernières nouvelles. Et là, je voyais un article, je trouve ça trop drôle, il faut que je le dise. Okay. C'est un article du Journal de Montréal du 7 avril 2014. OK. Le titre était « L'élimination de Valérie Dor à la voix ne fait pas l'unanimité ». Ah oui! Ça, c'était dans un duel avec Rémi Chassé, qui ouais. finalement a été choisi par Louis-Jean Cormier. Mm-hmm. Bon. Mais c'était drôle parce que, je m'en suis rappelé, le fait de l'avoir lu, mais... Bon, c'est sûr qu'en même temps, c'est du divertissement, c'est un show de télé. Ouais. Ça fait vendre de la copie, comme voilà. on dit. Ben oui. Mais donc, ton élimination n'avait pas fait l'unanimité, non. Valérie. Et non, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui fait l'unanimité ouais. Dans ce genre d'émission. Mais j'apprécie que les gens se soient prononcés et, que, ouais. et qu'ils aient osé finalement en parler. Et j'espère que ces gens-là, justement, vont être à l'écoute des nouvelles choses qui se ouais. présentent dans ma vie, comme par exemple mon nouveau single que j'ai sorti. Bien, ça, dans le fond, ce projet-là, il est arrivé comment? Parce que là, tu dis, bon, il y a eu la voix, après ça, tu as travaillé ouais. en débile, ouais, là, de façon effrénée. Après ça, oups, on s'en va plus dans l'humour et tout ça. Et là, à quel moment, donc, tu reviens à la chanson et à quel moment ce projet de single arrive sur la table? C'est vraiment suite à... C'est vraiment le fait d'avoir fait autre chose, ça m'a fait retomber en amour avec la musique, mais d'une autre ouais. façon. Et ça m'a fait aussi retourner aux origines. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été une fille qui adorait le hip-hop. Mon artiste ouais. favori, c'est Missy Elliott, Busta Rhymes, M.I.A., Lauryn Hill. C'est toutes des femmes, et Busta Rhymes, c'est un homme, bien sûr, mais qui avaient quelque chose à dire et qui avaient une voix, tu sais, singulière et un style vraiment particulier. Et là, maintenant, ici au Québec, c'est sûr que le hip-hop, c'est pas une musique qui est très bien reçue, mm-hmm. même si on a des auteurs exceptionnels ici, vraiment qui n'ont rien à envier aux plus grands artistes hip-hop des États-Unis. Là. Et donc, moi, je me suis toujours un peu travestie pour essayer de plaire, finalement, à tout le monde. Et c'est là que je dis que je me suis égarée dans ça. Je me suis tellement égarée que j'en ai perdu mon amour pour la musique et même physiquement, je n'arrivais plus à chanter. Ah, ouais. Et donc, vraiment, en prenant ce recul-là, en faisant autre chose, bien, c'est ça, je me suis rappelée de qu'est-ce que j'aimais vraiment, qu'est-ce que j'avais envie de faire. Puis à un moment donné, je me suis dit, bien là, si le bon Dieu voulait que je fasse du country pour plaire à tout le monde, bien, je serais née dans la peau à Yoann, OK? Puis là, c'est pas ce qui est arrivé. Fait que, assume, Valérie, et assume que ce que tu vas faire ne va pas nécessairement plaire à tout le monde, ouais. mais au moins, tu vas être vrai à travers ça. T'sais. Puis je pense que les gens, c'est ce qu'ils apprécient d'un artiste. Je pense que c'est d'être vrai, d'être sincère. Et à ce moment-là, au moins, je vais attirer un public qui est vrai et sincère. À quel moment, donc, le projet a pris forme du single qui s'appelle « Quand tu danses » Oui. Je dirais que ça a commencé il y a environ 6 mois. Ouais. Je travaille avec un DJ qui s'appelle RU, qui a été dans Attache ta tuque et dans Pèse Play. Et on a commencé à faire des chansons vraiment juste pour le plaisir. Puis à un moment donné, il m'a envoyé un beat. Puis j'ai vraiment aimé le beat, mais je n'ai pas été capable de composer tout de suite dessus. Et vraiment, c'est uniquement comme 6 mois plus tard, après avoir vécu tellement de choses, que là, on dirait que là, à ce moment-là, j'étais prête à vraiment écrire ce que je chantais, que cette musique-là avait besoin, avait besoin comme message. Et là, j'ai eu la chance d'avoir Greg de Kodiak, qui m'a aidé à peaufiner le texte, et Patrick Joseph aussi, Biou, qui est un rappeur avec qui j'ai travaillé très longtemps, qui sont venus m'aider un petit peu à peaufiner finalement l'écriture de cette chanson-là. Donc, je sais pas, peut-être dans la vie, tout est un peu comme une question de timing et c'est quand on est réellement prêt que les choses se produisent. Donc, ça s'est fait un peu comme ça, un peu naturellement, juste par le plaisir et la collaboration. Parce qu'en même temps, quand on fait une recherche sur iTunes ou Google Play Store, ouais. Ce que je faisais aujourd'hui sur mon appareil mobile, bon, oui, c'est vrai, ta chanson est disponible, mais quand on tape ton nom, il y a d'autres types d'enregistrements également qui sont ouais. disponibles. Oui. Ça, c'est un premier EP que j'avais fait il y a 4 ans. Ouais. Donc, ça fait longtemps. C'est ça, ce EP-là, vraiment, il représentait un peu ce que je disais, c'est que je n'osais pas être entièrement moi-même. Et il y a eu ouais. tellement de gens qui ont participé à ça et qui ont mis leur touch et qui ont insisté pour que ça soit comme ça, ça soit pas comme ça, cette partie-là, c'est pas ça. Que finalement, je l'ai sorti, ce EP-là, mais il ne me ressemblait pas. Donc, je ne l'ai pas vraiment, je l'ai pas vraiment mis de l'avant. Au contraire de la chanson « Quand tu danses » qui vient de sortir là, que je pense que...
j'ai trouvé cette façon-là parce que j'ai réalisé aussi que moi, ce que j'aimais, c'était d'amuser les gens. Je sais que j'ai cette sensibilité-là qui fait que je peux chanter des ouais. chansons à grande voix qui vont venir toucher le cœur des gens, mais ce qui me fait vraiment triper, c'est de faire danser le monde, de les amuser, de leur faire oublier un peu là, leurs problèmes, puis juste de leur faire passer un bon moment. Et donc, quand tu danses, c'est un peu un amalgame de ça, c'est-à-dire c'est vraiment une chanson pour danser, mais qui a un message quand même très conscient, mais de façon vraiment... on ne s'en rend pas réellement compte si on ne prend pas le temps de vraiment écouter les paroles. T'sais. Et cette chanson-là, évidemment, vient aussi avec un vidéo. Oui, oui, qui va sortir ouais. prochainement. Donc, je l'ai sorti à Play, l'émission ouais. de Nicolas Ouellet. On a fait un lancement... officielle, disons, à cette émission-là. Ouais. Et là, après ça, tranquillement, je sors d'autres vidéos pour en arriver à la sortie du vidéoclip qui aura lieu dans environ 2 semaines. Okay. Mais c'est agréable parce que je l'ai regardé aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit en ligne. Oui, ce c'est la performance live la performance de l'émission. Live. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que, bon, évidemment, on entend la chanson, mais en même temps, on voit aussi, comment je dirais, c'est l'ambiance, ouais. c'est la joie de vivre, ouais. C'est le bonheur. Oui, oui. Et je pense que c'est ça. Et tu vois, ça, c'est quelque chose que Stéphane Laporte m'avait dit en sortant de la voix. Il m'avait dit, « Toi, tu devrais être une chanteuse qui communique le bonheur. » Il m'avait dit ça. Et vraiment, quand j'ai terminé cette chanson-là, c'est à ça que j'ai pensé. Ça m'a pris comme tout ce cheminement-là, finalement. Pour arriver à ça. Oui, pour arriver à ça. Je pense que j'avais des choses à comprendre, puis... Je pense que c'est important aussi de prendre le temps. Je sais qu'on veut surfer sur la vague de l'émission, puis c'est important de le faire, mais je pense que c'est important aussi de prendre le temps d'être certain qu'on est heureux là-dedans, qu'on est bien dans ça et vraiment qu'on est en accord avec l'artiste qu'on est. Là. Est-ce que c'est une chanson qui pourrait être traduite et offerte en version anglaise aussi? Est-ce que tu y penses à ça? Oui, j'y pense à ça. Et comme je n'ai pas vraiment d'accent en anglais, c'est sûr que je ne suis pas fermée à l'idée. Mais je suis un artiste francophone et je trouve qu'en chantant en français, je suis vraiment authentique. Différente. Mais juste vrai. C'est la façon que je m'exprime. Quand je réfléchis en français. Donc, de m'exprimer en français et de défendre le français, pour moi, c'est naturel. Donc, un premier single, « Quand tu danses », qui est disponible en ce moment sur iTunes et Google Play Store. Oui. Vidéo, tu dis, dans quoi, à peu près 2 semaines? Oui, exactement. Ça va être quoi après, les prochaines étapes, les prochains projets? Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Et je veux vraiment composer un album. J'aimerais sortir un album en septembre 2017. Ça, c'est vraiment mon objectif. Donc, il me reste encore un bon bout de temps pour pouvoir réaliser ça. Et ensuite, j'aimerais ça animer des émissions, puis continuer un petit peu plus vraiment dans l'avenue de l'humour. Je vais toujours être une chanteuse, mais c'est ça, en travaillant avec Grégory Charles, c'est vraiment ce que j'ai compris. J'ai compris qu'on pouvait être artiste sans nécessairement se confiner à une seule discipline, tu sais, puis qu'on n'était pas nécessairement obligé, là, parce que les gens nous avaient connus. Comédien, chanteur, animateur, c'est humoriste. C'est ça, exactement. Non, c'est ça. Puis l'humour, c'est quelque chose, justement, je veux prendre mon temps, parce que les humoristes que j'aime, c'est justement ça. C'est des humoristes qui ont quelque chose à dire, et qui mettent des blagues à travers ça. J'adore les humoristes qui te font réfléchir en même temps que de te faire rire. Et c'est ça, j'aimerais ça aussi prendre le temps de trouver ce message-là que j'essaie de partager en humour. Et là, pour bâtir un album d'ici septembre 2017, on parle de quoi? On parle de 6 chansons, 10 chansons? Est-ce que, moi, j'aimerais est-ce bien que tu en as déjà quelques-unes dans une douzaine? Oui, c'est ça, j'en ai déjà. Est-ce que tu en as quelques-unes déjà dans le tiroir? Oui, oui, exactement. J'en ai quelques-unes dans le tiroir, puis je travaille avec différents DJ, puis moi-même aussi, je m'amuse par moi-même à partir des chansons d'absolument rien. Et vraiment, je m'amuse et je me donne pas de limitations. Pour une fois dans ma vie, vraiment, je suis juste à l'écoute de mon cœur, finalement. Et je fais juste laisser aller ça. Et puis, j'espère que tous ces gens-là, justement, qui disaient que mon élimination ne faisait pas l'unanimité, mais j'espère qu'ils vont être prêts à accepter Valérie pour qui elle est réellement, finalement, et pas nécessairement cette image-là qui a été un peu formatée pour l'émission. La vraie Valérie Dor. Oui, c'est ça. La vraie Valérie Dor, comme le vrai Éric. Projet de spectacle?
Oui, aussi, c'est ça, parce que, évidemment, dans mon exploration, je me suis mis aussi à faire du DJing. Et d'ailleurs, au Festival des Montgolfières, encore une fois, j'étais tellement honorée qu'il m'ait accueillie. Donc, j'ai fait quelques DJ sets là-bas. Et j'ai développé ce projet-là, justement, avec deux musiciens, deux danseurs, qui est évidemment Stéphane Neuf, qui me représente aussi pour ce projet-là. Et qui a l'unique but de faire danser les foules et de les amuser et de leur donner beaucoup de plaisir. Donc, bien du pain sur. Finalement, c'est ça, c'est que j'ai pas de temps à parce que je travaille encore énormément, mais au moins, je ne fais que des choses que j'aime. Donc, je suis vraiment plus... oui, c'est ça, exactement. Valérie Dorme, merci beaucoup. Bien, merci. Félicitations, puis le meilleur des chances. Bien, merci beaucoup. Et une très belle continuité à toi. Merci. Reste avec nous au retour de la pause, le Babillard quotidien. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de curling. Oui, je pensais qu'on parlait de ballet, mais non, on parle de curling. Exactement. Puis surtout, moi, j'ai pris ça, j'essaie d'effacer la victoire des Pats, mais ça marche pas. Avec Philippe Ménard. Ça marche pas. Coulisse bêta, jeudi, 19h. Télévision du Haut-Richelieu. La Société de développement du Vieux-Saint-Jean est déjà préparée la programmation pour le prochain été chaud 2017, donc il y a des artistes recherchés. Si vous êtes artiste, vous pouvez bien sûr soumettre votre nom. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com. À demain. Bye-bye. Toujours plus haut, hacker. Il commence à faire chaud, on n'a pas besoin d'eau, on n'a pas besoin d'eau. On se laisse, allez, laisse, allez. C'est le qui, y'a le fight qui glow, qui light up the flow. Même quand on a fini le show, toujours dans le feu de l'action. Qu'une situation sans satisfaction, action.